faire qui? Salut Peppa! Que se passe-t-il? Pourquoi Bébé Borne pleure-t-il? Bébé Borne n'arrête pas de pleurer? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a faim. Je lui ai déjà donné le biberon, mais elle n'en veut pas. Peut-être qu'elle s'ennuie. On va sûrement la faire jouer. Je lui ai montré les jouets, mais elle n'en veut pas. Étrange. Je crois avoir compris. Pep, il y a longtemps que tu as changé la couche? Les couches? Il faut les changer? Non, Peppa, bien sûr qu'il faut les changer. Quand la couche est sale, il faut la changer. Bébé Borne. Et maintenant, Bébé Borne va prendre un bain. J'arrive, je vais t'aider. Lucie, regarde comment est grande ma salle de bain. Peppa, c'est vrai, ça c'est une salle de bain magnifique. Mais pour Bébé Borne, c'est une salle de bain bien trop grande. Oh, quel dommage! Moi, j'aime beaucoup cette salle de bain. Ah, ça, c'est une baignoire spécialement pour Bébé Borne. Oh, oh! Quelle petite baignoire! Je vais la remplir d'eau. Peppa, tu as vérifié la température de l'eau? Non. Pourquoi? C'est important? Peppa, bien sûr que c'est important. Pour les bébés, la température doit être de 37 degrés. C'est une température trop élevée. Tu as mis de l'eau trop chaude. Il faut maintenant rajouter de l'eau froide. Je m'en souviendrai pour la fois prochaine. degrés, c'est exactement ce qu'il faut. On va ajouter un peu de savon pour le bain. Le bain est enfin prêt. Bébé Borne aime s'amuser avec ses jouets. On va le sécher maintenant. Maintenant, il faut mettre une nouvelle couche à Bébé Borne et des habits propres. Bébé Borne ne pleure plus. Ah, bien sûr, Peppa. Maintenant, elle est toute propre et toute contente. Et vous, est-ce que vous mesurez la température de l'eau quand vous prenez votre bain? Laissez-nous un commentaire. À bientôt.
pourquoi pleures-tu? Elle veut peut-être la sucette? Elle continue encore de pleurer. Annabelle, je vais te bercer. Peut-être veut-elle manger? Je vais te préparer de la purée pour bébé. Viens me voir, Annabelle. On va manger la purée maintenant. Annabelle, regarde, j'ai trouvé ta pelle. Annabelle. Annabelle. Où a-t-elle bien pu passer? Je suis juste chercher une minute à aller chercher sa pelle. Annabelle. 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 Lucie, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un appel au secours. Annabelle a disparu. Je ne la trouve nulle part. Ne t'inquiète pas. On va la trouver, c'est sûr. Mais je m'inquiète. Et si jamais elle était passée de l'autre côté de la route? Thank you.
quel cauchemar! Ne t'inquiète pas, s'il lui est arrivé quelque chose, j'en aurais été informée. Oh, merci Polly, tu m'as rassurée. Oh, et si elle était passée de l'autre côté de la piscine? Oh, je n'ose même pas m'imaginer cela. Oh mon Dieu! Je vais trouver l'hélicoptère et l'en informer tout de suite. Allô, Ellie! Annabelle a disparu. Il faut vérifier si elle n'est pas tombée dans la piscine. Salut, Polly. Je suis déjà en train d'effectuer les recherches. Bonjour les sirènes, vous n'avez pas vu Annabelle à tout hasard? Non, on ne l'a pas vue. Il lui est arrivé quelque chose? Annabelle a disparu. Si jamais vous la voyez, informez-en tout de suite pour aller. Quelle mauvaise nouvelle! J'espère que vous la retrouverez saine et sauve. Allô? Polly, personne n'a vu Annabelle près de la piscine. Oh, merci Helle, j'ai compris. Roy, j'ai besoin de ton aide, maintenant! Salut, Polly. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Annabelle a disparu. Va jeter un œil pour voir si elle n'est pas chez les pics. J'ai compris, j'y vais de ce pas. Haha, dinosaure. Quel beau temps aujourd'hui. Oh, Roy, bonjour. Il s'est passé quelque chose? Ah, bonjour, Peppa. Tu n'as pas vu Annabelle à tout hasard? Non, je ne l'ai pas vue. Ici, il y a simplement moi, Georges, papa et maman. Et dinosaure. J'ai compris. Allô, Paul? Donc, Annabelle n'est pas chez les pics? Merci, Roy. On va continuer les recherches. Oh, Annabelle, elle est si petite, si fragile et sans défense qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Oh, c'est quoi ce bruit? Je vais aller voir ça. Annabelle, tu étais là? On t'a cherché partout pendant tout ce temps. Annabelle, te voilà enfin. Oh, comme je suis heureuse de t'avoir trouvée. Annabelle, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Annabelle, tu as aimé ce chien? Bon, si tu veux, on l'emmène à la maison. Alors Annabelle, comment est-ce qu'on va l'appeler ce chien? Buddy. C'est Buddy. Et vous, vous avez des animaux de compagnie? Comment s'appelle-t-il? Laissez-nous un commentaire et dites-le nous. À bientôt.